Et c'est parti pour un nouvel épisode du Random Nawak. Hey, salut les gens, c'est Galius Lafarge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Random Nawak dans la colline de Clafouti. Tout à fait, et j'ai changé pas mal de choses. Alors, pas seulement moi, mais j'ai plutôt été aidé par une personne qui s'appelle Naxan, que je remercie énormément de m'avoir apporté de nouvelles fonctionnalités pour ce Random Nawak, dont notamment l'apparition beaucoup plus courante maintenant des Pokémon SOS. Déjà, ça va être une bonne chose pour les lives. Et ensuite, des musiques ont été modifiées. Alors, on va voir lesquelles, je sais pas quand est-ce qu'il y aura des musiques modifiées, mais en tout cas, il y en aura dans le jeu. Alors ça, c'est, comment on avait dit, Jubia, voilà. Tu sais d'où viennent ces petites bubules? Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Cet épisode était pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Donc, moi, je le trouvais cool. Et du coup, on a Loclass ici. Donc, je pense qu'il faut aller voir les... Non, c'est un Pokémon, ça. Non, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Il faut aller voir les petits Froussardines, Grolem. Un Grolem sauvage apparaît. Ok. Il est niveau combien? 23. Ok. Est-ce que je peux fuir? Ouais, je pense que oui. Bon, on va fuir parce qu'on va pas le capturer, ce Grolem. Parce que lui, il évolue pas du tout, donc c'est pas vraiment intéressant. Hein? Quoi? C'était juste un monstre de seconde zone, comme dit le dicton? Ce n'est pas la taille du volcan qui compte, mais celle du geyser qui en jaillit. Ah, d'accord. Fouiche, fouiche. Encore? Qui ça peut bien être? J'entends un petit geyser, ça vient de toi? Ou alors serait-ce Monsieur Gray qui attend sa Jubia chérie? Jubia, pardon. Va vite voir, je veux voir le geyser jaillir. Ça vient d'où? T'as entendu? Le fap-fap venait du fond de la colline. Le fap-fap. Je sais pas ce qui se passe, mais... Il y a des bruits bizarres dans ce random Nawak. Wow, Carabaf. Le Pokémon que nous n'avons pas eu. Parce que Carapuce n'a pas évolué en Carabaf. Niveau 20. Bah écoute, on va pas le capturer. Par contre, c'est joli le fond comme ça. Tout brille et tout. Bon, c'est la journée, je tourne la journée donc ça tombe bien. Ça tombe bien, mais bon. C'est où le Fap Fap? Ah, mais c'est de l'autre côté le Fap Fap. Un rappel, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, mais c'est par là qu'il faut continuer de toute façon. Très bien. Ah, elle est là. Putain, elle a fait vite, oh. Jubia. Qu'est-ce qui se passe, Jubia? C'est quoi ce machin? D'ailleurs, c'est quoi ton nom déjà? Ah oui, c'est Galius. C'est un nom à coucher dehors, ça. Je plaisante. Ou pas. Tu as vu ça là-bas? Tu as vu là-bas? Plein de bibules partout. C'est tellement poétique. Oups, je m'égare un peu trop là. Ok, regarde au milieu du Motizla qui a encore ses étranges remous. Ouais, bon, on va voir c'est qui le remous à la fin. Hein. Non, en vrai, je sais pas du tout ce que ça va être le Pokémon. J'ai un peu peur. Hein. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Ah non, c'est vrai que c'est pas encore. Enfin, je crois. Je sais pas. Quoique. Non, 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 normalement il nous saute dessus le truc. Il nous saute dessus. Nexagide. Alors il a pas son talent, du coup il va toujours rester en mode défense. On l'avait vu dans le Mega Nuzlocke Random pour ceux qui avaient suivi la série. C'était pas des plus intéressants. Du coup on va fuir. Je sais, il y a quand même pas mal de bons Pokémon et tout, mais vous inquiétez pas. Dans toute cette aventure, on va en rencontrer des Pokémon intéressants. La puce m'est à tomber. Encore un microbe qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Jubia va bouder, sauf si tu me consoles. Spooch, spooch, spooch. Pas encore, ça suffit. Ce bruit de geyser me dit quelque chose, c'est inquiétant. Peut-être qu'il s'agit de Twister Liporoi. Si c'est lui, prépare-toi. Galius. Ah, Twister Liporoi. Twister, c'est dans mon Mega Nuzlocke Random, c'est vrai. Il me semble hein, que j'avais eu un Liporoi que j'avais appelé Twister. Galius, même si Jubia est une mage de l'eau, elle reste au sec. D'accord. Un peu feignante. La petite Jubia là, enfin la petite Jubia, qui a pas envie de se mouiller. Oh, un Otarlet. Quel sexe masculin? Il pleut des cordes. Il pleut des cordes, les gens. Otarlet. Ah, je vous avoue que ça pourrait être peut-être sympathique. Bon, après, il évoluera pas, évidemment, mais... Allez, on tape les Stocorn. Si ça met KO, tant pis. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas type fée, j'avais oublié. Gravité. Ok, bon, ça fait rien. La gravité était... Ah ouais, c'est vrai que maintenant ils appellent tout le temps à l'aide. Personne. Oh, un Sonistrel. Ok. Bon, du coup, ça ne m'arrange pas du tout. On refait Stocorn sur Sonistrel, parce que je le veux pas en fait, Sonistrel. Enfin, coucou, on aurait pu aussi capturer Sonistrel. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait? On a vu une attaque haut, hein. Repli, ok.
Alors le truc c'est que je crois qu'il va appeler à tous les tours. Il va appeler. Ah ça va être embêtant pour capturer des Pokémon par la suite. Oh un Altaria. Mais bon c'est le jeu, c'est moi qui ai choisi ainsi. Bon est-ce que je vais pouvoir ou tu appelles tout le temps? Parce qu'ils appellent tout le temps en vrai je vais jamais pouvoir les capturer les Pokémon. Bon moi je prends des niveaux hein, ça m'arrange. Niveau 33. Canon floral. L'attaque de Magerna. Envoie un rayon laser dévastateur. Baisse beaucoup l'attaque spéciale du lanceur. Bon c'est inutile parce que je suis quand même pas du tout spé donc on va garder les anciennes capacités. Et puis écoutez s'il appelle. Ah oh, il surf. C'était évident, c'était à prévoir. Ce n'est pas KO. Et ça appelle tout le temps. Ouais bon du coup on va peut-être revoir ça là. Ah, allez c'est tombé, sinon je vais jamais pouvoir capturer de Pokémon s'ils appellent tout le temps. Bon allez salut. Je fuis comme un lâche. Je vais revoir ça un peu à la baisse parce que je vous avoue que si c'est tout le temps comme ça on va jamais pouvoir en capturer des Pokémon. Alors ce que je voulais c'est un Nawak Medoc. Oh putain il m'en reste pas beaucoup. Et potions il m'en reste 6. Ok on va essayer des potions plutôt. Hop. Hop encore. Et encore voilà. Il m'en reste plus que 2. Ok. Alors je pense que Daron ne sera pas un bon choix pour le combat là. Du coup on va peut-être envoyer Godson qui peut placer le feu. La terre finale. Et ça serait cool. Comment Jubia a-t-elle fait pour se retrouver là-bas? Bah je me demande, Motizman. Selon la légende, un monstre sanguinaire se cache dans l'océan. Maurice le poisson rouge. Le vrai? Tu bluffes. Le vrai Maurice le poisson rouge? Bien sûr le vrai, ça va pas être Maurice le boucher. Tu entends ce gros geyser? Pas de doute, c'est un gros poisson rouge qui s'y cache. À moins que ce soit Monsieur Gray. Je dois avouer que j'ai une préférence pour la seconde proposition. Allons jeter un coup d'œil ensemble. Tu vas pas me laisser seul, si? Ah non, je vais pas te laisser seul. Que cache donc la colline Clafoutis? Je suis pas super motivé de le savoir. Motivé, oh là, je vais y arriver. Colline Clafoutis, the final boss. C'est parti. Gallius, tu es un gentleman de m'avoir accompagné. Début de l'épreuve. Maintenant, franchis cette porte et scelle ton destin dans un combat pour moi. C'est pas mal comme récompense. Pour triompher et espérer avoir ma main, tu dois vaincre Monsieur Gray, le puissant. Regarde ce geyser, il est chaud et prêt à en découdre. Je parle de Monsieur Gray, hein. Ne va pas t'imaginer autre chose, petit coquinou. Qui, sois brave et montre-toi à la hauteur de ce combat. Par contre, si tu perds, ne viens même pas me parler ou retenter mon épreuve, hein. C'est compris? Ok, Jubia. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je sais pas pourquoi j'ai rigolé, mais bon. A mon avis, il y en a qui vont comprendre pourquoi j'ai rigolé. On dirait qu'il y a du tonnerre. Les éléments se déchaînent. Allez, allez, tout se rassemble. La puissance, ça semble pour faire un gros froussardine. Rah. Ice Make. What? Oh, c'est la musique de... Predastery dominant veut se battre. Et c'est la musique de... Tu augmentes sa défense. Génial. C'est quoi cette musique déjà? Terre finale de Godson. Ok, le niveau 31. Oh, j'ai point éclair, c'est vrai. Bon, ben, point éclair. Si je peux le paralyser, ce serait cool. Bam. Ouh, ça fait mal. Ébullition. Eh, tu peux pas. C'est les restes que tu as? La boue noire, ok. Ah oui, appel du renfort, très bien. Qui? Le blind épique? Il me fait pas si peur que ça. Je vais continuer point éclair sur Predastery. Le blind épique ne sera pas plus rapide que moi, normalement. Ok. Bon, je pouvais aussi mettre KO le blind épique, mais bon, je pense que le plus dangereux, c'est Predastery. Ah, il fait sport. Oh non. Tout est perdu, tous nos espoirs. Ébullition, moi, bon, lui il a pas compris. Hein. Predastery, terre finale. Pas d'attaque haut. Bon, du coup. Non, le problème c'est que je peux pas changer. Je suis obligé de rester, c'est pas grave. Je vais être endormi. Je vais essayer de pas utiliser trop d'objets. Pour que ce soit un peu plus équitable. Canon graine, bon, divisé par 4. C'est pas ça qui va nous faire si mal.
J'ai enlevé la life orb d'ailleurs, l'orbe vie. Non mais je pense qu'il est, il est mouchoir choix ou quoi, hein, c'est pas possible. Mouchoir choix ou lunette choix. Mais être bloqué sur ça, c'est triste pour lui en fait. C'est assez triste, je vous avoue. Allez, Godson se réveille, point éclair. Du coup, à moins que Bladepic me fasse sport en anticipant le réveil, mais ça m'étonnerait quand même. Du coup, le Predastéri va succomber à ses blessures. Et ensuite, on va finir le Bladepic. Bah finalement, sans trop s'avancer, les gens. Ah, parce que Predastéri, il est borné. Hein. Il est vraiment borné. Mais bon, c'est pas grave, ça. S'il est borné. Écoutez, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est rebondir feu sur le Bladepic. Au moins, mec, a le Bladepic. Et le Predastéri peut rappeler un autre Pokémon. Juste pour voir ce que ça peut être. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Rebondifeu, ça touche aussi un peu le celui à côté. Ah non, il est pas bloqué, il fait soin. Bon, j'aurais pu le mettre KO, mais il m'aurait endormi. Ok, je vais juste voir un peu ce qu'il peut appeler comme renfort. Ah bah, plus rien, ok. Bon, bah si tu veux. Allez, point éclair. Non, mais je pense que tout simplement, il a que des attaques... Oh, mais c'est pas possible, t'es poison aussi. Il attaque poison, je sais pas. T'as pas que ébullition et soin. Bizarre. Ah, ça y est, il appelle du renfort encore. Et c'est... un Eliatro. Non, ça va, il a pas son talent. Hein. Mère primaire. Ah, le retournement de situation. Bon, j'ai fait exprès, hein, de pas le mettre KO le Predastéri. Hein. J'aurais pu le mettre KO. Mais là, j'avoue que le... le retournement de situation ne m'avantage pas du tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est envoyer patate bleue et renvoyer Godson. Vous voyez? Pour remettre la terre finale. Parce que là, sinon, je me fais déglinguer. Hein. Ok, alors c'est maintenant qu'il fait toxique. J'ai pas compris. Là, j'ai vraiment pas compris. L'aurait fait avant, c'était nickel. Laser glace, ok. Bon, aucun des deux fait une attaque haut. Très bien. Je sais plus ce que c'est cette musique, mais... c'est dans Rosa, ça, non? Il me semble. Alors, on va changer. Et on va envoyer Godson. Bon, laser glace va faire des petits dégâts, il va me chatouiller, hein, en soi. Et là, boum! C'est moi qui instaure le climat, ok, mon gars? Terre finale de Godson. Et il refait soin. Bon, allez, on va l'attaquer, ce Predastéri, parce qu'on a marre. En soi... pied voltige. Ok. Si tu veux. Parce que c'est lui qui appelle du renfort. Je crois pas que les autres puissent appeler du renfort, donc... franchement, dommage qu'il a pas eu la para. Petite paralysie aurait été chouette. Je pense. On sent que la musique ne redémarre pas. Allez, ou un coup critique, non? Ébullition, ça passe pas. Laser glace, ça passe. Ça fait un peu plus mal. Très légèrement. Ok. On refait point éclair. Hop, sur le Predastéri. Là, ça réfléchit un peu à qu'est-ce qu'ils vont faire. En vrai, ça réfléchit pas du tout. C'est juste que la console est tellement peu puissante par rapport au jeu que... bon, ok, malheureusement pour lui, il a pas fait soin. Bon, le truc, c'est que je le mettrai pas KO au prochain tour. Ça, c'est le problème, parce qu'il a la boue noire. Ça fait un peu trop. Bon, c'est pas grave. Allez, Predastéri, s'il fait soin, bah tant pis. Je pense qu'il va faire soin. Allez, point éclair, un coup critique là. Eh oui, c'est le crit. Eh non, c'est pas le crit. Mais ça met KO le Predastéri, ça c'est bon, et puis on va le finir. Le petit Iliatron avec un rebondifeu. Et on aura battu Gray du coup. Gray c'était Predastéri, d'accord. Très bien. Allez, rebondifeu. Et c'est le chaos, hein, évidemment. Et voilà, le Iliatron qui m'aurait bien surpris avec sa mère primaire. Ouais, vous avez battu le Predastéri dominant. Godson. Tu es génial. Tu es génial. Yes. Du coup, je vais prévoir un autre live d'ailleurs, hein, pour vous qui êtes chez vous
Bien assis confortablement ou allongé, je ne sais pas. Impossible, Gallius, viens me voir. Impossible n'est pas Gallius. Alors, mercredi prochain, mercredi 15, à 14h, ça vous redit un petit live? Je suis choqué. Tu as vaincu Monsieur Gray si facilement, lui et son corps si musclé. J'avoue que j'ai eu un coup de foudre envers toi, c'était une blague. Je dis ça parce qu'il y a eu du tonnerre tout à l'heure, t'as compris ma blague? Pas mal. Bref, en reconnaissance de ta victoire, prends ceci. Non, regardez pas le bas parce que je suis en caleçon. Non, je rigole. Et c'est l'aquazélite, il me semble. Non, l'hydro... Non, l'aquazélite, oui, c'est ça. L'aquazélite qu'on va peut-être pouvoir donner à un de mes Pokémon. Hein, à un de nos Pokémon, pardon. Je vous inclus dans la série, évidemment. Donc, mercredi 15 à 14h, si tout va bien, venez en live. Et ça sera cette fois-ci une chasse plus intéressante que la dernière fois. Voici la danse pour utiliser la célèbre blague Z. Oui, tchou. Acéléré. Ah, elle est. Et prends ça aussi si jamais tu as faim, que tu t'ennuies ou pour taper les méchants. Yeah, une canne. Oh, c'est cool ça. La canne à pouche. Niveau utilisation, c'est logique, faut utiliser dans l'eau. Hein. Si tu utilises dans les herbes, ça va moins bien fonctionner. Je pense que tu avais déjà compris le concept d'une canne à pêche, du moins je l'espère. Concernant Nessie, elle mange 3 fois par jour. Et uniquement du poisson frais. Je te dis ça parce que ton taureau c'est très maigre. Et tu n'as pas l'air de le nourrir. Et si jamais tu croises le grand Maurice, le poisson, utilise ça. À une CT. Ah non, des scubabol. Yes, c'est bon ça. Merci bien. Je te racontais la fois où j'ai pêché une licorne des Caraïbes. Elle faisait quoi aux Caraïbes, la licorne, d'ailleurs? On a tous nos secrets. Bref, tête à claque, c'est Jubia. Bref, tu as été incroyable lors de cette caméra cachée. Je ne suis pas Jubia. Ah bah si, en fait. Oui. Bon, il est plus que temps de quitter cet endroit et d'aller se dorer la pilule. Jubia est folle. Quoi? L'épreuve suivante? C'est celle de... Surprise! C'est pas son nom, hein, mais son identité est secrète. Tu as visité le coin? Tu as sûrement dû voir des arbres immobiles bloquer le chemin? Eh bien, ils ne sont plus là. Je leur ai raconté une blague et ils ont pris la fuite. Je ne comprends pas pourquoi. Si tu as une idée, fais-moi PowerPoint, hein, ça sera plus simple. Allez, tchou! Non, mais n'importe quoi, cette Jubia. Oh, jusqu'à présent, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est le champion... Enfin, lequel est le capitaine ou... doyen qui vous a le plus plu pour l'instant. Bon, après tout, vous connaissez que Pectorius, enfin la ratatouille, Harry Potter et Jubia. Moi perso, j'aimais beaucoup Harry Potter. Et Jubia, je l'aime bien aussi. En fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des caractères différents. Du coup, ce qui va être un peu compliqué dans cet épisode-là, avant que je règle le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir capturer des Pokémon. Enfin, si, je pourrais lancer une balle directe, mais bon. Du coup, les simulacres se sont cassés. Et on va pouvoir continuer notre route. Le ranch coucou. Alors, je crois que c'est là qu'ils étaient. Voilà, ils étaient là. Mais oui, bien sûr, désolé, j'ai une très mauvaise mémoire. Ah bah non, ils sont pas là, tu leur as raconté de blagues, Jubia. Il est en danger, tu dois le sauver. Ah bon? Qui ça? Ah, regardez combien il court, hein, c'est trop drôle. Vous pouvez ainsi pousser des rochers dans des trous afin de dégager des passages. Ah! Vite, au centre Pokémon. Une eau mystique, ok. Pourquoi pas. Mako! Mako. Et on se retrouve sur la route 66. Non, pas du tout. Tu n'as pas assez de festipièces. Ah, c'est dommage. Je n'ai pas assez de festipièces pour pouvoir lire le panneau. Non, je crois que c'est la route. Combien c'était? Attendez, c'est où on est là? J'ai même pas vu. Attendez, je refais le truc parce que... Force de dire des âneries. Donc on passe du ranch coucou au bourg palette. Très bien. C'est vrai qu'on reconnaît quand même le bourg palette avec sa verdure. Tu as devant toi la terreur des cours de récré de Tunawak. Tremble. Oh punaise. Carrément la terreur de Tunawak. Et elle envoie Marjolaine le vacancier. Alors, Marjolaine le vacancière. Là, je pense que... Émile Zola peut se retourner dans sa tombe. Et on tombe sur l'euphorie. Ok, alors, l'euphorie, c'est embêtant. Mais j'ai balayage. Tout était prévu. Boum. Wow, ça fait un bon 80%. Crône mort. Oh, ça ira, non? Bah oui, c'est l'euphorie. Allez, c'est parti. Il y a 3 Pokémon, quand même, cette Marjolin. Marjolaine, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Allez, Godson monte au niveau 32. Punaise, tout ce qu'il a gagné. Ah oui, c'est l'euphorie, c'est vrai. Bah oui, ils vont tous gagner. La Pyromania monte au niveau 32. Sinistrei. Alors, Spectre Ténèbres. Pas du tout. Spectre Plante.
Daron. Daron, je veux que tu évolues dans cet épisode, ok? Non, quoi que, attendez. On a combien? On a 21 minutes? Non, il va pas évoluer dans cet épisode. Il évoluera au niveau 35. Ah, c'est risqué. Il va peut-être évoluer, mais je sais pas. Sinistrail. Alors. Poutfeu. Bon, là, il monte niveau 34, c'est sûr. 35, je pense pas. Ok. Paf, ça fait des chocs à pic. Ok, Daron est blessé par le contrôle. Par contre, je suis un petit peu dégoûté. Il y a la rediffusion du live de la semaine dernière, enfin d'un mercredi là. Ok, c'est bon. Nawakiyon monte au niveau 35. Qui a mal été, comment dire, analysé par YouTube. Du coup... On va envoyer Pyromania. Du coup, le problème, c'est que bah, ça dure plus qu'une minute sur un live qui durait 2 heures, quoi. Donc, du coup, je suis vraiment deg. Bon, j'ai le live sur mon ordi. Oh, Boostifleur Shiny! Yes! Non, pas du tout, de toute façon, pas le capturer. Il y en a qui m'a dit, ouais, ce serait bien que tu puisses capturer des Pokémon, des dresseurs. Je sais pas si c'est possible. À vrai dire, je sais pas. Bon, on tape Flamme Ultime, je pense que ça va mettre un KO. Bref, du coup, je pense que je vais retransmettre le live, mais je suis un peu deck parce que je pensais pas que YouTube me ferait ça un jour, quoi. Alors, j'attends, je me dis, bon, bah, peut-être que c'est un bug du YouTube, ça va revenir, mais ça ne revient pas. La vidéo reste à 1 minute. Je sais pas pourquoi. Donc, je pense que je vais la réuploader et puis remettre le truc. Mais bon, je trouve ça vraiment, vraiment triste, quoi. Un peu deg. Ma foi. Alors, bon, toi, je viens de te battre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, on a un fermier ici. On a un fermier. On va envoyer Pyromania. Et je pense qu'on va désactiver cet attire-meuf là. Qui se trouve ici. Hop, attire-meuf désactivé. Voilà, je veux pas qu'il évolue dans cet épisode là. Je veux le garder pour le prochain. Bon, là, on a un combat. On a. Ah oui, c'est vrai! Bienvenue à Hockey Coral! Ah oh, yeah! Et dresseur, tu veux un petit coup? Demain, bien sûr. Je suis la sœur de Cisadioxy. Eh ouais, Cisadioxy, la sœur. Eh hey Rock Lee, c'est à toi qu'on cause. Ouais, j'y vais, on s'est déjà vu quelque part, je crois bien. Toi aussi, t'es un brony, frère. Un brony. On dirait les deux méchants qui embêtent mon frère, tu es avec eux? Ah, dommage, j'aurais bien voulu dire oui, je suis avec eux. Jamais vu de ma vie. Zarma, le mytho. Y a plus de respect, moi c'est Marie. Y'a pas à dire, c'est mieux la cambrousse. Y'a que des vaches, des poulets et des fois des hommes. Bon, assez papoté, tu prends le moins moche, vu? Ça va, à l'aise? On prend le petit thé et les cookies? Je me serais bien posé au KLM, mais pas le temps pour ça. Allez, mademoiselle, à bout le poney. C'est parti pour le combat. Contre qui on va tomber? La merde. Ah oui, c'est vrai que je... Ah, il est seul. Ah oui, il est seul, c'est vrai que c'est un chacun. Tocorico! Oh, ça aurait été trop cool s'il était shiny. Je vais le chasser, hein. Franchement, je vais lui chasser un toco shiny, ce serait génial. Alors, électrique, fait. Allez, coup victoire. Tonnerre, ouf. Allez, coup victoire qui part. Moyen que ce soit le KO, hein. Ouais, non, un petit KO, il est niveau 33 quand même. Ouais, un petit KO. Ah là 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 là, il va refaire tonnerre. Du coup, on va anticiper. On va envoyer Ziva. Ziva, la famille. Hein? Bon, bah, il a un talent qui m'empêche de fuir. C'est génial. Du coup, bon, bah, je vais jamais attaquer avant. Allez, avec un malentendu. Un gros malentendu. Voilà, non, c'est pas possible. C'est pas grave. Ok, bon. Toi, Tocorico, tu vas voir. Je pense que Patate Bleue est plus... Non, mais non, personne n'est plus rapide. Oula, attendez. S'il me fait une attaque fée... Ça va être Tandax. Bon, Furibond devrait mettre KO. Ouais, quoique divisé par 2, je sais pas. Ah non, mais d'accord. Lumière du néant. Pff. Ziva, il fait... Balek.
balèque de toi, mon gars. Bon, j'aurais pu placer les picots, mais jamais je pouvais anticiper la lumière du néant. Ah non, mais les Ziva, il tient quoi. Mais même pas mid-life. Truc de fou, bec vrille. Il a combien en attaque? Oh, il a moins. Bec vrille, ça touche les plantes, les insectes, les combats. Ça, c'est pas mal. Furibond, ça touche le plante, donc bec vrille touche aussi. Bah, attendez, Furibond c'est 80 et bec vrille c'est 80 aussi. Non, et Furibond ça peut baisser l'attaque. Baisser les dégâts et baisser son attaque. Est-ce que ça baisse forcément? Je ne sais pas. Je pense que oui. Ou que je sais pas en fait. L'insecte ça touche aussi le psy. Bon, vous savez quoi? On va enlever Furibond. Ok, c'était une bonne attaque, mais en vrai, si j'avais eu demi-tour, j'aurais plutôt mis demi-tour. Ok, il envoie Moyade. Alors, Moyade. On va envoyer... Ouais, c'est un peu risqué d'envoyer Nawakillon, vu qu'il est psy. Et qu'un Balombre peut partir à tout moment. Un Moyade masculin. Et on va faire... Ouais, feinte, ça va rien faire, je pense. Écoutez, on va faire feinte, juste pour voir. Je suis plus rapide, donc ça, ça m'étonne pas. Et ça fait... Ok, presque la moitié. Okay. Hydroblast. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On refait feinte et on repart sur laser prisme après. Ou feinte, même. Escampette. D'accord. Ah, c'est le talent de... Sarmouraï. Si, Sarmouraï, c'est ça. Ok, farfa du V. Bon, et laser prisme. Surchauffe, si tu veux. Pas de problème. En soit, pourquoi pas. Un laser prisme qui part, qui ne rate pas. C'est parti. C'est une attaque, en fait, qui est comme... bah, hydroblast, du coup. Ultra laser. Rock boulet. En fait, toutes ces attaques qui sont à 90 de précision. Bon, on va changer, du coup. Est-ce que Éclair va mettre KO? Je pense pas. On envoie Godson. Ouais, on envoie Godson. Toutes ces attaques qui sont à 90 de précision et qui ont un tour de chargement. Et qui ont, il me semble, 140 ou 150 de puissance. Le Tracer à 150, mais je crois que les autres ont 140, je sais plus. Non, c'est peut-être 150, je sais plus. Bon, terre finale, on est plus rapide, on fait point éclair et on achève ce Moyade de la team fragile. Mais ça va, il y a des bons Pokémon en face, je trouve. Ça joue bien, ça joue bien. De l'autre côté, ça joue normal. On va pas se vanter non plus, hein, de bien ou de mal jouer. Vas-y là. Ah mais... Non, c'est sa musique. On s'est fait grave zlatané. Zlatané. J'ai trop le seum. Autodestruction dans 3, 2, 1. Je vous ai bien eu, hein. Ah, c'est le beau drive. Les popcorns sont à côté du camp indien. Tu les trouves chelous, toi aussi? On va leur montrer notre combo. Par le pouvoir de mon Sisachou, attention à votre derrière. Regarde derrière, un Arceus Shiny. Ok, ça fait pitié comme diversion, mais fourrez-vous ça dans le crâne. La team fragile vole ton 4 heures et prend le dernier flanc à la cantine. On se taille pour cette fois, tchuss. Ah, oh, j'avoue qu'ils font peur, là. Pas le dernier flanc, quoi. Ça va? Tu vas pouvoir rentrer chez toi? Sinon, t'as déjà songé à la cire pour le visage? Oh non! Oh non, c'est trop... Ah, c'est trop méchant. Ah, ce beau drive. Je commence à avoir froid maintenant, débrouille-toi. Tu es où, Marie? Je dois aller traire les animaux de ma ferme. Comment tu te prénommes déjà? Galius, hein? Ouais, y'a mieux. Puis pas la peine de te vanter, hein. J'en ai pas l'air, mais je suis forte, je soulève mon bourrinos. Ça me détend un peu, je t'apprendrai. Un jour. Un tour offert pour votre anniversaire. Énorme. Essaye la pêche au canard, c'est dur d'en attraper. Mais une fois que tu as compris la chose, c'est trop facile. Eh bien écoutez les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va s'arrêter là. J'ai rencontré quelqu'un ayant développé sa place festival à fond. Il se trouve en haut du classement place festival. La prochaine fois, on fera la suite, on fera des captures. Je vais sauvegarder. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Non, pas du tout. À très vite pour un nouvel épisode du Random Nawak. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu. Et puis vous abonner à la chaîne et pouvoir voir la suite de l'aventure de la série Random Nawak. Et je vous dis à la prochaine, c'était Nawak et ça sera Nawak comme d'habitude. Ciao.